Aujourd'hui, la présidente de région, Carole Delga, a présenté un texte extrêmement important à notre assemblée plénière. Et je suis heureuse que l'assemblée régionale ait largement adopté le Green New Deal. Ce plan de transformation du modèle de développement de notre région, que ce soit sur le plan économique, sur le plan territorial, sur le plan environnemental. Aujourd'hui, nous savons toutes et tous que nous ne pouvons plus faire comme avant. Nous voyons toutes et tous les situations dans lesquelles sont plongées des milliers d'habitants de notre territoire comme dans d'autres régions. Nous avons ici en responsabilité décidé d'agir en faveur des dirigeants de TPE, de PME, d'agir pour les salariés qui chaque jour sont inquiets pour l'avenir de leur emploi, pour l'avenir de la planète, d'agir pour ces jeunes, pour leur donner des perspectives d'avenir sur des métiers qui seront demain encore porteurs et qui seront décisifs pour notre société. Lorsque nous adoptons un nouveau modèle de société, lorsque nous poussons des actions de court terme, d'urgence, parce que c'est encore la situation dans laquelle se trouvent de nombreux concitoyens, nous posons aussi les trajectoires d'un nouvel avenir. Un avenir où nous affirmons qu'il est possible de concilier les impératifs économiques et les enjeux majeurs de lutte contre le changement climatique. C'est positionner, relocaliser, localiser les emplois de notre région sur des secteurs qui répondent aux besoins essentiels de nos populations. Des besoins concernant l'agroalimentaire, l'alimentation, les besoins énergétiques, les besoins numériques en matière de transport et de logistique, mais aussi les besoins en matière d'industrie sanitaire. Lorsque nous faisons en sorte d'accompagner des entreprises qui s'inscrivent sur des marchés qui sont aujourd'hui innovants ou alors qui avaient disparu de l'industrie française par manque de volontarisme politique, nous mettons en œuvre des actions concrètes, apporter une partie du capital pour pouvoir être un investisseur patient, former les salariés plutôt que de les licencier, accompagner les TPE, nos petits commerces, nos artisans qui aujourd'hui sont de plus en plus nombreux sur la plateforme d'Amazon pour qu'ils puissent durablement se digitaliser et ainsi de manière concrète pouvoir faire en sorte que ce ne soit pas le seul géant Amazon qui se taille 50% des parts de marché du e-commerce, mais faire en sorte que demain, ils et elles pourront être accompagnés par les prestataires de leur choix en émergeant sur le front local pour être en capacité d'être des opérateurs de qualité, de proximité, qui revendiquent les savoir-faire et les compétences de notre région, dans la volonté d'y maintenir l'emploi plus fortement et qu'on soit au service de notre qualité de vie partagée.